Un peu dans le propos au niveau des quatre intervenants. Et donc, la question de cette table ronde, la question principale, c'est la communication et un moteur du sujet. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on sait bien que toute entreprise doit s'adapter en permanence aux évolutions d'environnement si elle souhaite se maintenir et si elle souhaite se développer. Donc, cette entreprise, elle peut être à la fois physique ou morale. Et il faut bien comprendre que le changement n'est pas une fin en soi, c'est une nécessité. Passer un système d'un état à un autre. Et donc ce changement a lieu à chaque fois que l'on modifie un objectif, une norme, une règle, un comportement ou un processus de transformation. Mais face à ce changement, on constate bel et bien qu'il y a des résistances. Et cette résistance est absolument vitale. En tout cas, c'est une attitude de défense naturelle. Il s'agit juste peut-être pour mieux gérer cette résistance, de déterminer et identifier la nature de celle-ci. Elle peut être sociologique ou autre, mais il s'agit, pour mieux la contrer, de l'étudier. Et donc, pour accompagner le changement, on constate que la communication est un atout indéniable. Et cette communication consiste à guider le système, donc la personne, l'organisation, dans une transformation, c'est-à-dire modifier sa forme pour être au-delà, c'est-à-dire différent. On est donc dans une démarche active, dynamique. On ne se contente pas juste d'analyser en état. La question donc derrière cette thématique de table ronde, c'est pourquoi la communication est importante dans la gestion du changement. Il faut alors comprendre avant tout les mécanismes humains et collectifs du changement. Il faut aussi opter pour un positionnement droit de la communication dans l'accompagnement du changement et acquérir une méthodologie pour concevoir un plan de communication en période de changement. Alors, réaliser des changements significatifs dans une organisation, quel que soit, peut être un vrai défi. Par exemple, dans de grandes entreprises, lorsque l'on prend des mesures relatives à la RSE, cela peut être un peu compliqué puisqu'il s'agit de mobiliser différentes troupes, les équipes qui seront impactées par les nouvelles mesures et les nouvelles procédures de fonctionnement. Et analogiquement, on pourrait très bien se demander aussi au niveau d'une population, au niveau d'un État, comme on parlait tout à l'heure du contexte de crise sanitaire, lorsque l'on parle de changement, comment la communication peut avoir un impact, une influence positive, améliorative au niveau de la population. Et donc, derrière ces deux axes que je viens d'énoncer, c'est pourquoi la conduite communicationnelle, le changement est-il important ? Alors même que la vie elle-même est une question d'adaptation au changement, une célèbre revue Harvard Business Review affirmait déjà en 2011 que l'adaptabilité au changement au sein d'une organisation était le nouvel avantage concurrentiel. C'est encore plus vrai aujourd'hui lorsque l'on constate que tout est en changement, en mutation perpétuelle et qu'il faut toujours s'adapter. Donc il faut adopter une gestion efficace du changement pour avoir un certain retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça, et adopter pour un plan de communication qui soit efficace, etc. Donc, les initiatives de communication devraient être mises en place au cours d'un certain projet pour motiver à s'approprier les outils du changement. Et ce modèle pourrait avoir quatre facteurs, c'est-à-dire la sensibilisation, la compréhension, l'acceptation et surtout l'appropriation. Il y aurait donc des moyens de communiquer efficacement dans un changement organisationnel ou autre, c'est-à-dire premièrement communiquer de manière cohérente, secondement utiliser plusieurs canaux de communication, c'est-à-dire diversifier pour ne pas être monofocal et avoir un impact bien plus conséquent. Et intégrer et permettre le retour de l'information, c'est aussi un critère qui nous paraissait important au début, qu'on a voulu pointer du doigt. Et être honnête, même si ça pourrait paraître un petit peu retour à ce que disait M. Tavallo sur le fait de garder une part de secret, l'honnêteté est de mise dans la communication changeante. Et finalement, on pourrait aussi opter pour le fait de communiquer sur les progrès réalisés et les changements qui ont été opérés lors de cette transformation de communication. Voilà. Et sans transition, donc, je vais laisser la parole à M. Gambardella, puisque vous êtes le premier sur le programme. Merci. Est-ce que... Oui, vous m'entendez. Donc, le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir a été donc la communication pour créer des espaces publics et accompagner le changement.
Bon, il s'agit d'un, à vrai dire, d'un sujet dans lequel je me sens relativement à l'aise, travaillant dans un endroit, dans une agence de communication qui a pour ambition de dire qu'elle accompagne les gens qui transforment la société, qui créent de nouvelles formes d'engagement. Donc, a priori, c'est quelque chose dans lequel je me sentais assez à l'aise et je me dis que, aussi, vu qu'on est dans un colloque organisé par l'Espace Éthique, que beaucoup de gens autour de cette table, en fait, ça peut être une évidence pour ces personnes-là de penser qu'en effet, la communication a quelque chose à faire avec justement un impact social positif, etc. Mais le terme même, la manière même en fait, de présenter le sujet est intéressante. Il y a quand même cette idée de dire, quand on dit que la communication peut créer des espaces publics, peut accompagner le changement, de dire quand même malgré tout que bah, c'est un peu un cas particulier en fait, de la communication. Ça rejoint un petit peu cette idée un petit peu qu'on peut avoir spontanément que bah, la communication, finalement, c'est un sujet qui n'est pas forcément a priori politique au sens d'engager dans les affaires de la cité. Qu'on est surtout dans des affaires de marketing, de vente, de sujets privés. Et en fait, je vais essayer d'angler en fait ma petite prise de parole dans les quelques minutes à venir sur justement essayer de démonter, d'essayer de comprendre d'où vient cette perception et d'essayer de la retourner parce que justement, une bonne savoir comment le communicant peut créer de manière positive des espaces publics riches, les enrichir et accompagner le changement, ça passe avant tout par essayer de comprendre justement, à mon avis, d'où vient un petit peu cette petite idée, ces petits réflexes, cette petite manière d'envisager le métier partagée par la société. Alors, pour commencer, sans faire, on va dire, sans tout faire découler l'étymologie, il faut quand même garder en tête que communiquer, ça a quand même quelque chose à voir avec le commun. Communiquer, littéralement, ça signifie quand même créer du commun, ça signifie quand même mettre en commun. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, on n'a pas forcément tout le temps en tête. Le communicant, en tant qu'expert des langages et des signes, en fait, a pour métier de créer justement ce commun au service de commanditaires, qu'il soit souvent privé, tel qu'on l'imagine, mais aussi très, très souvent public. On a pu, dans la précédente intervention, évoquer ce genre de collaboration qui peut parfois être critiquée, et des commanditaires qui peuvent être aussi associatifs, enfin, de toutes sortes. Non seulement créer ce commun ou participer à la création de ce commun, mais aussi l'animer. Je pense à des métiers comme le porte-parole, comme le community management, comme les animateurs, d'une certaine manière, les animateurs de ce colloque font un métier de communication, les facilitateurs dans les ateliers de créativité, les ateliers collectifs. En fait, j'ai tendance à résumer tout ça en fait, par l'expression qui serait de dire que le communicant, il est à la fois un designer et un acteur de l'espace public. En fait, c'est donner et volontairement un rôle en fait, presque démiurgique en fait, aux communicants, surtout et a fortiori dans un monde qui est très consumériste et très marqué par le numérique. Quand je dis démiurgique, c'est vraiment l'idée que le monde, que le communicant, justement, crée ou participe à la création de notre monde au sens presque arendtien du terme, c'est-à-dire notre espace partagé, durable, qui nous précédait et qui nous suivra et qui nous survivra, dans lequel nous évoluons. Et le communicant, là, rajoute des briques ou peut créer ou endommager par ses actions, justement, notre monde partagé. Quand je dis rajouter des briques, ça peut tout simplement être en l'impactant notre monde déjà existant, vécu, et c'est ce à quoi on pense spontanément, a priori, par exemple, l'affichage dans les rues, d'une certaine manière, est une modification de notre monde vécu par un acte de communication. Un acte de communication qui est souvent vécu, à raison, je pense d'ailleurs, sous l'angle de l'abîme, de l'abîmement, enfin, le fait de l'abîmer en tout cas, de la détérioration. Mais il faut quand même garder en tête que, après quelques décennies, on a un regard tout à fait différent sur ça. Les affichistes comme Toulouse-Lautrec sont vus de manière extrêmement positive, alors qu'ils font des activités qui sont très proches finalement de la pub pour un pot de yaourt qu'on peut voir et que, je pense à raison, d'une certaine manière, on peut regretter dans notre espace public. Les murs peints, de la même manière. On regrette peut-être la pub pour le pot de yaourt aujourd'hui, mais les slogans que tout le monde connaît, type du bon, du bonnet, en fait, font partie de notre folklore, d'une certaine manière, et même presque d'une image de la France éternelle avec ses petits murs peints qui faisaient de la réclame, etc. Une image d'Épinal, autre action de communication rentrée dans l'espace commun qui a construit un petit peu notre langage. Mais je parlais du numérique, et en fait, dans le numérique, ce qui est intéressant, ce qui est encore plus prégnant, c'est justement que le web visible en tout cas, le web front office, si je peux l'appeler ainsi, n'est absolument que design. Les sites web, les mails, tout cela, en fait, sont créés de toutes pièces, mais à part des web designers, par des UX designers, des designers d'expérience utilisateur, des UI designers, des designers d'interaction, avec des contenus qui sont rédigés, souvent par des consultants et des rédacteurs. Bref,
par toute une flopée de communicants. Les réseaux sociaux qu'on a évoqués rapidement sont souvent qualifiés de pseudo-espace public, pseudo justement parce que les utilisateurs, enfin la frontière entre la prise de parole, entre la prise de parole privée et publique sur ces réseaux par les utilisateurs est extrêmement mince, c'est souvent extrêmement flou, source de beaucoup de problèmes, mais aussi parce que ben, ces espaces publics sont créés dirigés, orientés par ben, des entreprises privées. Néanmoins, eux aussi sont créés par des communicants. Et on voit bien, en fait, même si cela a toujours été en tête de penseurs du numérique depuis presque la création d'Internet, des concepts comme la bulle de filtre remontent à la fin des années 2000, par exemple, 10 ans après la création d'Internet, l'arrivée sur le public, dans l'espace public justement d'Internet. Mais malgré tout, ce n'est qu'à partir de 2016 qu'il y a eu une sorte de prise de conscience collective avec l'élection de Donald Trump du fait qu'en effet, il y avait des enjeux éthiques à savoir qui et pourquoi en fait créer ces espaces. Donc on voit bien en fait quel est le problème de ne pas avoir pris conscience assez vite et collectivement du fait que le communicant justement crée des mondes et a un impact sur ceux-ci. Mais alors justement, pourquoi on oublie souvent cette dimension du communicant ? En tout cas, pourquoi collectivement on a tendance à l'oublier ? Parce que depuis l'origine, ça n'a jamais été sans remonter jusqu'au dialogue entre Socrate et Gorgias. Il y a quand même toujours une prise de conscience dans les milieux, évidemment, dans les milieux de la pensée, de l'impact évidemment et des questions éthiques et organisationnelles posées par le communicant. Malgré tout, il est toujours resté dans la construction sociale de notre métier. Donc, je parle vraiment en tant que communicant qui pratique le métier de communicant. Dans la construction sociale de notre métier au cours du XXe siècle, il s'est construit, en fait, et notre métier s'est structuré autour de l'illusion, justement, de la dépolitisation, autour notamment de la publicité. Avec cette idée que, justement, la société de consommation est une affaire privée, ce qui est grandement critiquable, une affaire privée qui n'est pas politique, qui n'est pas publique, et donc la publicité qui est la servante en fait, de la société de consommation, l'est aussi en fait, une affaire privée, qui n'aurait pas forcément grand-chose à voir avec l'espace public. Et en fait, toute la structuration de notre secteur, en fait, s'est faite sur cette base-là. Agence, le modèle, de l'agence, modèle économique de l'agence de communication, le nom de nos métiers, concepteur-rédacteur, planeur stratégique, chef de pub, consultant, etc. Tous ces métiers ont été structurés, enfin, ont été nommés par le milieu de la publicité, et le vocabulaire également, l'insight, le saut créatif, etc. Et en fait, le fait d'avoir eu notre secteur, selon moi, c'est l'hypothèse que je pose, mais qui, à mon avis, a au moins une part de vérité. Le fait d'avoir eu un secteur qui est complètement structuré par la publicité, justement, explique pourquoi on a du mal de nos jours à penser en fait l'impact positif et à faire vraiment de la communication l'impact positif, avec notamment au cœur en fait le réflexe un réflexe fâcheux qui est vraiment lié justement à la manière de fonctionner de la publicité. Il faut bien comprendre qu'historiquement la publicité a un modèle très particulier qui est lié aux médias privés notamment. Les médias privés se financent en vendant leurs journaux, mais ça ne suffit pas, et ils se financent souvent aussi en vendant une partie de leurs espaces, qu'ils soient des espaces spatiaux, un encart de journal, temporel, un spot de pub, enfin temporel, d'ailleurs le spot de pub TV c'est un espace à la fois temporel et spatial, mais un espace purement temporel pour le spot de pub plutôt radio. Et ils vendent ces espaces à des entreprises qui veulent faire des annonces, d'où le nom dans notre secteur d'annonceurs. Ces mêmes entreprises en fait externalisent ensuite la production de ces contenus créatifs et argumentatifs à des prestataires privés, en l'occurrence bien souvent des agences de publicité. Et en fait, là on a c'est ce qui a structuré, qui a été la colonne vertébrale de notre vision du métier pendant très longtemps. Mais c'est une vision quand même, il faut bien comprendre que c'est une vision très particulière, une sorte de cas vraiment extrême en fait de la communication. Parce qu'on a un espace d'expression restreint et précis duquel on ne peut pas vraiment sortir. L'encart, on ne peut pas vraiment sortir de l'encart qui nous a été vendu dans le journal. À la rigueur, on peut dealer le fait de rajouter un flyer dans le journal, mais vous voyez, on reste quand même dans quelque chose de très précis. On a une mission qui est extrêmement précise également, un produit à valoriser, à vendre. Donc, quand même, une vision en fait, de ce qu'on met en commun, en partage dans notre espace, qui est quand même assez connotée et assez particulière. Et surtout, et c'est ça pour moi le cœur du problème, une vision des publics à qui on s'adresse qui est, très particulière. C'est une vision, déjà, c'est une prise de contact avec ces publics qui n'est pas directe, qui est complètement indirecte, qui est médiée justement par un média, qui porte bien son nom. Et donc, on ne peut traiter ces cibles, on ne peut pas réellement rentrer en échange avec elles. On ne peut les traiter que sur un mode balistique. En fait, on vise,
On vise une cible, on parle de cible dans le métier. Et il faut bien prendre les mots avec le sens qu'ils ont. On vise des cibles, et en fait, le talent du communicant, c'est de... Bon, le contexte actuel, parler de balistique n'est peut-être pas le meilleur, mais malgré tout, on est vraiment là-dedans. Il s'agit, le talent du communicant, c'est de savoir viser le mieux possible pour que l'impact ait lieu au bon endroit. Et on est quand même dans une vision de la communication qui est donc assez particulière. Or, ce modèle particulier a complètement imposé, s'est imposé dans nos esprits et dans nos pratiques. Il y a cette idée, donc, que la communication est forcément futile, qu'elle vise à vendre, qu'elle a justement, en appliquant ces réflexes que je viens d'évoquer. Et que quand elle s'aventure ailleurs, notamment dans le domaine du politique ou du public, elle n'est pas complètement légitime. Même si elle le fait tout le temps, mais elle n'est pas complètement légitime. Il faut penser, par exemple, au réflexe d'un homme politique quand il veut décrédibiliser son adversaire. Une des choses qu'il peut activer le plus facilement, c'est de lui dire « c'est que de la com' ce qu'on fait ». Ce que vous dites. Avec cette idée, vous voyez l'idée qu'il y a derrière. C'est la communication ne sert qu'à vendre et ne sert qu'à vendre un mauvais produit. Elle sert à habiller, à cacher, à masquer en fait les défauts et à masquer souvent le vide. Donc, pourtant, moi, je vous dis que le communicant, il est designer et acteur de l'espace public. Et j'essaye d'en revenir là-dessus. Et en fait, pour moi, c'est avoir ça en tête, c'est essayer de prendre en conscience justement la responsabilité du communicant. Le communicant, qu'il le veuille ou non, de toute façon, comme je l'ai dit, il construit, il impacte positivement ou négativement notre espace public parce qu'il met des choses en partage sur celui-ci. Espace public déjà pris, ne serait-ce qu'au sens le plus large, en fait, de l'espace en commun qui n'est pas forcément possédé par des instances privées et où s'échangent justement des idées, des mots, des arguments. Le communicant ne peut pas, en tout cas, prendre la posture d'un expert déraciné, abstrait, expert seulement des signes et des messages qu'il argumente, qu'il informe avec quelques connaissances en sciences humaines et sociales, en tendances de société, etc. Il construit, il participe à la construction de notre monde, et il y agit par défaut, par nature. Toute la question, en fait, est de savoir ce qu'il veut faire et comment dans ce monde. Donc, s'il y a quelque chose à changer, c'est déjà la vision du communicant sur lui-même et sur son propre métier, pour sortir justement de ces méthodes et de ces automatismes qui, selon moi, sont assez mauvais. Et aussi proposer éventuellement de nouvelles manières de faire. Mais les nouvelles manières de faire, en fait, sont secondaires, en fait, par rapport simplement à cette prise de conscience. Surtout dans un contexte, en fait, de transition grande, urgente, l'espace public de nos jours est complètement et doit être complètement tourné, justement, vers ces nécessités de transition. Et justement, cette création de commun par le communicant doit être au service de ces changements. C'est comme ça que je comprends, moi, les changements. Les changements, c'est vraiment comment le communicant peut être utile et moteur dans ces questions-là. Et cela, il doit le faire en repensant, du coup, ce que j'ai dit, en fait. Une pensée de l'espace restreinte, non. Le communicant doit décloisonner, en fait, sa vision de l'espace. Il peut agir partout, en fait. La question de la relation. Certainement pas penser en termes de cible. Il s'agit de penser réellement en relation, comment en créer du commun, comment en créer une relation avec ses publics. Et aussi, question des moyens mis en place. Et cela, et je terminerai en fait là-dessus sur quelques petites pistes et quelques moyens d'action, quelques leviers d'action. Déjà, pour créer le meilleur, il faut bien avoir conscience que le meilleur espace public est celui qui existe déjà, où des pratiques sont déjà là, sédimentées, où les gens évoluent. Et donc, une des premières missions du communicant, c'est déjà d'essayer d'enrichir ces espaces publics avec des contenus utiles, qui questionnent leur légitimité et qui veulent être légitimes et qui sont produits, évidemment, et c'est toujours, on va dire quand même malgré tout, le dilemme un peu ontologique du communicant qui est malgré tout, qu'il est surtout quand il est travaille dans une agence, qu'il a un statut de mercenaire, il est au service de quelqu'un. Mais malgré tout, il peut agir en ayant en conscience qu'il y a quand même des grandes tendances à combattre dans l'espace public, comme l'infobésité, comme les bulles de filtre, en essayant d'être dans une logique d'enrichir et certes de défendre en fait les idées et les positionnements de son client, mais dans une idée malgré tout où il ne jette pas en fait l'eau du bain avec le bébé d'une certaine manière et qu'il c'est plutôt l'inverse en général et qu'il en fait justement permet de défendre en fait le meilleur moyen en fait d'enrichir l'espace public, c'est surtout d'éviter le détériorer. Donc en fait faire vaincre en fait ces idées dans l'espace public, ça se fera d'autant mieux si on a des méthodes qui sont vertueuses.
Ensuite, on peut aussi créer des espaces publics, évidemment. C'est le rôle notamment du design d'intérêt général, comme il s'appelle, qui est porté à la fois ben, justement, par des agences privées et des organismes de l'État, souvent en collaboration. Je pense notamment à la DILA, la Direction d'information légale administrative, qui fait un travail extrêmement intéressant sur tout ce qui est la question de l'open data, mais aussi des organismes parapublics, hein, l'espace éthique en fait partie, des collectivités territoriales. Et enfin, il peut aussi aider les acteurs et les organisations elles-mêmes à se transformer. Dans un contexte où l'un des freins à la transition, ça peut continuer d'être en effet certains intérêts économiques et politiques, mais ça l'est de moins en moins parce qu'il y a une sorte de prise de conscience par les intérêts économiques eux-mêmes de l'importance des transitions. Un des freins à la transition, c'est souvent en fait l'inertie des organismes. On parle souvent de dépendance au sentier pour parler du fait que les décisions industrielles, techniques prises dans des décennies continuent en fait d'impacter notre avenir, parce que il faut arriver à bouger un appareil industriel, c'est aussi valable pour les collectifs humains. Les pensées, les manières de faire, les relations interpersonnelles sont extrêmement importantes et il faut arriver à jouer dessus. Et c'est le rôle du communicant de faire ceci. Je me souviens d'un contact qu'on avait avec Enedis qui gère les réseaux électriques de basse et moyenne tension en France, où ils disaient qu'une des manières, un des plus gros enjeux pour eux pour réduire leur empreinte carbone, c'était d'arriver à convaincre leurs électriciens d'électrifier leurs véhicules. C'est quand même assez comment dire, ironique que Enedis n'arrive pas à passer en fait à la mobilité, de passer de la mobilité thermique à la mobilité électrique. Malgré tout, c'est un de leurs plus gros défis. Et là, on a vraiment une vraie question de comment on arrive à convaincre, à lever les freins et à analyser en fait réellement pourquoi en fait une partie de la population de cette entreprise, de cette organisation justement, est face à de tels freins. Et enfin, et je termine là-dessus, tout cela dans une logique d'exemplarité, c'est-à-dire que le communicant peut aider justement à enrichir des espaces publics, à en créer, mais il doit le faire lui-même en repensant sa manière de faire ses métiers, en faisant ce qu'on appelle de la communication responsable, qui est donc une communication écologique qui pense à son empreinte carbone, une communication accessible qui pense aux personnes en situation de handicap, mais pas que, à toutes les questions d'accessibilité sociale, d'accessibilité géographique, d'accessibilité simplement liée à une méconnaissance en fait, de l'outil concret, une communication utile, et une communication sincère, qui est vraiment le cœur, la sincérité étant comprise, selon moi, comme l'adéquation entre le dire et le faire. Donc, la communication, bref, par nature, crée du commun, du partagé, elle modifie notre environnement, qu'on le veuille ou non. Elle ne peut pas être gratuite, elle ne peut pas vaine. Elle peut pas être vaine. Il faut juste en prendre conscience, et ensuite, il ne tient qu'au communicant de travailler, justement, à avoir un impact positif, en inventant peut-être certaines méthodes, mais surtout, simplement, en utilisant ce qu'il sait faire le mieux, et en le réanglant, en fait, au bénéfice du commun. Merci, monsieur, pour cette intervention. Et c'est peut-être. J'en profite pour dire voilà, si quelqu'un a des questions ou si vous voulez réagir, surtout, n'hésitez pas. Et je vais commencer en disant que est-ce que ce n'est pas justement le fait que la communication soit créatrice de quelque chose qui lui donne justement une responsabilité en fait. C'est-à-dire que si elle ne crée rien, elle n'aurait rien à assumer. Mais le fait d'être moteur d'un changement réel, ça implique justement complètement. L'enjeu, en fait. Complètement, en fait. Si elle ne connaît rien, en fait, elle n'existerait pas, tout simplement. Parce que la communication, c'est... faut bien comprendre que c'est un mélange assez intéressant, selon moi, c'est pour ça que j'aime bien faire mon métier, mais entre les arts appliqués, d'une certaine manière, donc la création vraiment d'une œuvre, œuvre sans lui donner trop d'importance malgré tout, et la prise de parole. Et c'est vraiment ce dialogue entre les deux, d'où le fait que je mobilisais quelques concepts un peu arendtiens, justement, parce qu'on est vraiment dans cette logique de monde et d'action. Et en fait, le communicant est toujours un peu à l'intersection entre les deux. Et encore une fois, moi, ma conviction, c'est que pour agir le plus efficacement possible, il doit respecter un petit peu en fait ses outils de travail d'une certaine manière, et qu'il doit respecter le monde pour justement être le plus efficacement dessus. Ça signifie pas que je prenne pas forcément une forme de naïveté, hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je sais pas moi, des coups bas, si c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça peut être fait. Mais il y a quand même des limites à ne pas transgresser et des prises de conscience à avoir en fait justement sur l'impact. Et principalement, c'est cette prise de conscience qui est nécessaire. Je vais me permettre de rebondir et de répondre à ce que disait Léonce. Moi, j'ai l'impression que dans votre exposé, dans votre argumentaire, on assiste à un changement de paradigme du communicant. Là où, l'expression les paroles c'est bien, mais l'action c'est mieux, agir c'est mieux. Je me demande si, pendant longtemps, l'usage de la sémantique, en tout cas
l'attachement et la connotation à l'usage de la sémantique ne faisait pas perdre crédibilité aux communicants et qu'aujourd'hui, quand on parle de responsabilité, quand on parle d'action, quand on parle de conviction, est-ce qu'on n'est pas plus dans l'agir que dans le côté réflexif du communicant? Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'en retiens de votre argumentaire, c'est de voir qu'il y a un changement, c'est-à-dire que le communicant n'est plus autant dans son carcan de maîtrise des mots, mais qu'il en vient à investir un terrain beaucoup plus de l'action. Ben, je pense que, le changement est collectif, en fait, au-delà de la communication. Il y a un changement sociétal où on n'arrive plus à se bercer d'illusions d'une certaine manière sur les enjeux en cours. Même la publicité, qui est quand même la section, la partie de la communication qui se retrouve la plus, questionnée et gênée aux entournures, en fait, ne peut plus elle-même faire l'économie, en fait, d'essayer d'aborder les questions sociétales. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Faut bien voir que je suis un peu perdu. donc oui, il faut travailler là-dessus. Il y avait une sorte de, en fait, la publicité pouvait en fait se bercer un petit peu l'illusion qui allait être un peu déconnectée en fait des gens. Je cherche juste à vendre un pot de yaourt. Et la notion même d'insight qu'on entend très souvent dans notre métier était basée là-dessus. C'est non seulement je vends mon pot de yaourt, mais en plus, comme on sait tous à quoi ressemble un pot de yaourt, le seul moyen de le vendre, c'est de renouveler l'approche là-dessus, donc de faire un pas de côté. Et c'est ça l'insight, en fait. C'est le fait de faire un pas de côté, de renouveler. Ah tiens, j'avais jamais pensé à ça là-dessus. Et donc, ça explique beaucoup de choses qui ont bercé, en fait, l'enfance de chacun à différentes époques. Hein. Le fait de dire, bah, tiens, on pourrait boire du yaourt en mobilité, donc on va créer Yop, le truc pour comment dire, c'est touché une cible qui était un petit peu différente. Donc, les adolescents, peut-être qu'ils mangeaient moins de yaourt, en fait, ils sentaient qu'il y avait un segment de population qui était les enfants mangent du yaourt, les adultes, oui, les ados, non, moins. Où sont-ils? Ils sont en train de faire du skateboard et donc, je suis vraiment dans la caricature, mais c'est vraiment ça. Et donc, on va montrer une publicité en train de boire du yaourt à boire dans un skatepark. Et c'est ça, en fait, ça, c'était un insight, en fait, toucher une nouvelle cible d'une manière différente. Pour les gens, pour rester toujours dans cette métaphore laitière qui me tient à cœur, visiblement, Actimel, c'était ça pareil. C'est-à-dire, on va créer un produit où, on va plutôt s'adresser aux jeunes actifs ou aux personnes un peu plus âgées qui craignent pour leur défense immunitaire. Et on va insister sur le rôle des probiotiques, qui est réel, mais en créant des choses complètement fausses autour du fait ça vous protège de tout. Bon, c'est encore un autre insight, en fait. C'est le fait de toujours prendre un pas de côté pour renouveler l'approche. Donc ça ne marche plus, en fait, de nos jours. Je ne dis pas, la mécanique de l'insight et du pas de côté peut être utile de temps en temps, mais tout faire reposer là-dessus et simplement sur, en fait, un peu un moment un peu festif et déconnecté des enjeux réels, c'est plus possible. Et encore une fois, donc il y a à la fois un diagnostic de « c'est plus possible de continuer par avant », et par ailleurs, le secteur de la communication lui-même qui continue, en fait, de se constituer, de se structurer. Heureusement, d'une certaine manière, qu'il n'y a plus que la publicité qui pose des modèles, en fait, pour penser le secteur de la communication au sens large. Et depuis les années 90, ça a émergé ce qu'on a pu appeler la communication corporate, il y a eu la communication éditoriale qui a émergé peut-être un petit peu avant, mais un petit peu dans les mêmes eaux. Et en fait, on est dans des choses qui, en fait, se structurent très récemment, années 2000, années 2010, en fait, des choses comme ça se structurent de plus en plus. La nouvelle frontière en ce moment, c'est justement de dépasser simplement la question de la communication pour penser plus généralement une sorte d'hybridation entre le métier de communicant et de designer. Et donc, on retombe justement sur ne plus être seulement sur les mots. Et tout ça, pour moi, c'est à la fois un signe de maturation du secteur, de meilleure prise en compte des enjeux, mais tout simplement, oui, de maturation au sens purement… ça reste un secteur d'activité qui reste quand même assez jeune, qui a émergé, en fait, les premiers signes, je parlais des affichistes, voilà, pour le courant du 19e siècle, mais dont le modèle vraiment de l'agence est structuré dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se structurer, heureusement. C'est un peu comme si maintenant le déclaratif ne suffisait plus et qu'il fallait quelque part fournir des preuves de son engagement. Ça va plus loin que ça. Je suis une question derrière. Mais après, je vais laisser la parole à Laura Lambé, puisque le temps passe. Oui, Jonathan. Puisqu'on est dans le sujet éthique, suite à ce que vous avez donné comme exemple, le personnel, le yaourt, on voit le publicité aussi pour la Coca-Cola.
plan éthique, comment peut-on accepter de faire ce genre de truc pour vendre? Parce qu'entre-temps, on fait ingurgiter des tonnes de sucre à des gens à tous les âges. Alors, la réponse est... Oui, non, mais... Oui, non. On l'a dit, des types. Oui. Ben voilà. Moi, j'ai été utilisée pour créer, pour l'aider, moi. Comment il faut faire? Bah alors, je vais aller complètement dans votre sens, hein, parce que... Il y a tous les achats, lui, qui a réussi, parce que justement, on va le capter autrement, on va lui tourner encore la tonne de sucre qui va se trouver dans le micro. Je vais aller grandement dans votre sens. En réalité, déjà, moi, je ne travaille pas dans le milieu de la publicité. J'ai pris des exemples qui, justement, parce que c'est quand même pour moi, il y a des choses qui ne sont pas résolubles là-dessus. Il faut choisir son camp au bout d'un moment et savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément. Je ne jette pas la publicité en tant que telle. On a besoin, parfois, de vendre des produits. On a besoin de vendre des idées. Et puis, pour la sécurité routière, par exemple, sont utiles et utilisent des techniques de publicité. Donc, je ne jette pas la publicité en vrac, mais il faut bien avouer que, quand même une grande partie est très problématique de ce qu'elle fait dans ce métier. Après, il y a d'autres secteurs de la communication. Moi, je travaille dans ce qu'on appelle la communication corporate, où on accompagne des organisations. Donc, c'est-à-dire, je ne travaille pas avec Danone, mais si on travaillait avec Danone, on travaillerait plus sur Danone en tant que Danone, en réfléchissant à justement comment il se positionne en tant qu'acteur économique, industriel, sociétal aussi, plus que simplement essayer de penser en fait comment on package et on market un produit et un yaourt. Et Danone a une légitimité sociale à exister au-delà même de, je ne sais pas si c'est eux qui font Actimel, mais voilà, au-delà même d'Actimel en tant que tel. On pourrait toujours avoir besoin de gens qui vendent des yaourts, malgré tout. Donc aussi, voilà, il y a aussi une question, je pense, pour le communicant, au bout d'un moment, de savoir que bah, il faut peut-être qu'il choisisse en fait son corps, tout simplement, et où il travaille. Laura, je vous laisse la parole, parce que je crois que votre sujet est assez lié à ces questions. Comme ça, peut-être que votre question s'adaptera mieux au milieu de l'intervenant. Je ne sais pas si je rapproche le micro. Donc, c'est parfait parce que le sujet de M. Gambardella me permet de rebondir. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aujourd'hui dans un moment charnière où la crise climatique, les pandémies, les crises sociales, économiques et maintenant la guerre ont désillusionné du coup la plupart d'entre nous qui n'ont plus envie qu'on leur raconte des histoires. On n'a plus envie aujourd'hui qu'on nous mente, que les marques nous racontent des histoires. Un problème se pose bien sûr au pouvoir public, mais aussi et surtout aux entreprises. Comment cesser de raconter des histoires pour séduire un public? Comment arrêter de jouer sur les émotions d'un public qui n'a plus envie de ça? Concrètement, comment est-ce qu'on passe aujourd'hui d'un storytelling à un story-proving? Comment constituer un discours qui soit basé sur des preuves? Et comment arrêter de montrer, mais démontrer son support à une cause? Donc, les marques ont toujours plus ou moins fonctionné ainsi, c'est-à-dire jouer sur les affects, sur les émotions de spectateurs pour fidéliser des clients, pour inciter à l'achat. C'est l'enjeu d'une bonne communication. Je prends un exemple tout simple. Si vous pensez à Red Bull, vous allez penser au slogan « Red Bull donne des ailes ». Donc, une marque qui a basé tout son storytelling là-dessus, qui a défini son identité là-dessus, et de là a découlé toute l'histoire de la marque, notamment en créant une chaîne sportive, en faisant des campagnes de publicité basées sur le sport, etc. Mais aujourd'hui, on s'intéresse moins à ce slogan qu'au fait de savoir où vont finir ces canettes une fois qu'elles vont être jetées à la poubelle. Donc, en somme, est-ce que ces canettes vont être recyclables ou pas? C'est pourquoi les marques commencent à parler de ces sujets-là. Et même Red Bull, vous pouvez voir sur leur site internet, commence à parler du fait que les bouteilles de Red Bull sont recyclables. En somme, si le storytelling a toujours été prisé pour définir l'identité d'une marque, aujourd'hui, ça ne suffit plus pour convaincre. Parce que les citoyens ont besoin de sens et ils ont besoin d'être informés sur l'avenir et ils attendent que les marques s'engagent sur ce sujet. Donc, acheter, oui, mais pour autant, ils ne veulent pas perdre leur pouvoir d'achat, ce qui est très important. Acheter, oui, mais à condition que ça ait un sens, aussi minime soit-il. Donc, ce n'est pas anodin, vous l'aurez remarqué, si depuis quelque temps, les éléments de langage des marques font souvent référence à des valeurs, des engagements, des missions. Donc, si le storytelling vise toujours à raconter des histoires, ces histoires, maintenant, elles doivent faire sens. C'est pourquoi on peut lire, par exemple, dans l'ADN, qu'aujourd'hui,
les 18-25 ans, ils trouvent que les marques ne sont pas suffisamment engagées. Donc, il en va de leur responsabilité de résoudre des problèmes de société et donc d'être créatrice de valeur. Donc, concrètement, comment une marque passe du storytelling au story-proving ? Comment communiquer sur des faits, des preuves, sans être accusée de greenwashing ? Une critique qui revient bien souvent. Donc, tout d'abord, on pourrait parler des marques qui émergent aujourd'hui dans le domaine du digital, qu'on appelle les Digital Native Vertical Brands, et qui fondent toute leur identité sur leur utilité, justement. Donc, au-delà simplement du profit. Donc, généralement, ces marques vendent en ligne, en partie grâce aux réseaux sociaux, et s'adressent aux jeunes générations sur un ton bien différent. Je prends un exemple, peut-être que vous connaissez, la marque Asphalt, qui est une marque qui vend des vêtements pour hommes. Et en fait, le principe, toute l'identité de cette marque, c'est de lutter contre la surconsommation. Donc, le modèle est très simple. Il repose sur un temps long. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sondent une communauté en ligne pour savoir quel type de vêtements va intéresser cette communauté. Ensuite, ils créent les modèles. Et ensuite, une fois que la production... les clients peuvent passer leur commande. Et une fois que les clients ont passé commande, alors la production est lancée. Donc, le temps est très long. C'est-à-dire que si vous commandez un jean, vous le recevrez dans 5 mois. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun stock, en fait. Ils n'ont pas de stock, c'est ça. Donc, les campagnes qui en découlent sont simples, elles sont minimalistes, et elles reposent uniquement sur la qualité des vêtements et sur le travail des artisans. Alors, ce qu'on peut remarquer par rapport à ces marques qui vendent uniquement sur le digital, c'est que leur communauté font partie intégrante de leur communication. Elles les soutiennent, l'expérience client est très importante et les avis des clients sont au cœur des identités de ces marques-là. En fait, c'est aussi par eux que passe le story proving. Et même au-delà d'un story proving, ça peut être un story making. C'est-à-dire que le client est vraiment une part importante de l'histoire de la marque. On a pu constater aussi l'importance des communautés en ligne. On a pu le constater pendant la pandémie, par exemple, avec il y a un hashtag, par exemple, qui a été lancé sur les réseaux sociaux de la marque, enfin, des internautes qui ont lancé un hashtag qui s'appelait Prepare for Healthcare pendant la pandémie aux États-Unis. Et en fait, la marque Crocs a distribué des chaussures gratuitement à tout le personnel soignant aux États-Unis, juste en rebondissant sur un hashtag, ce qui a accru énormément sa visibilité et en plus qui a augmenté son capital. Mais la question se pose essentiellement aujourd'hui pour ces entreprises qui sont bien installées, les entreprises cotées en bourse notamment, les entreprises du CAC 40, comment ces entreprises-là font-elles pour communiquer en satisfaisant l'envie des consommateurs qui sont en quête de sens? Comment un groupe qui est implanté dans le marché depuis longtemps, comment McDonald's, comment Danone vont-ils faire pour communiquer sur des preuves? Donc, tout d'abord, les entreprises, elles ne peuvent pas ne pas trouver des solutions aux problèmes qu'elles ont souvent elles-mêmes créés. Donc, pour ce faire, il faut nécessairement qu'elles redéfinissent leur raison d'être pour prouver leur utilité. Donc, depuis quelques mois, et surtout depuis la crise sanitaire, la raison d'être, c'est devenu une étape cruciale pour les entreprises et centrale dans leur façon de communiquer. Donc, ce n'est pas une simple stratégie, ce n'est pas une charte. Les entreprises doivent formuler leur mission concrètement, donner du sens à leur activité, elles doivent passer par une introspection et se poser la question de pourquoi est-ce que nous faisons ça. Donc si avant une entreprise prospérait parce qu'elle créait du profit, aujourd'hui c'est parce que les entreprises sont utiles et qu'on peut identifier les raisons pour lesquelles elles existent, qu'elles peuvent espérer prospérer justement. Donc ça, ça a été un gros sujet surtout depuis la loi PACTE qui a été mise en place en 2019. Et qui a introduit la qualité de société à mission. Donc, la loi PACTE, c'est la loi pour le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc, maintenant, les entreprises peuvent déclarer publiquement leur raison d'être à travers des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, cette loi énonce notamment que les entreprises ne doivent pas être uniquement à la recherche du profit. Donc, quelques exemples de raisons d'être qui ont été mises en place par certaines marques que l'on connaît tous bien depuis cette loi. Par exemple, la SNCF. Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. L'Oréal, créer la beauté qui fait avancer le monde. Danone, apporter la santé dans l'alimentation partout dans le monde.
Donc, le cas de Danone est particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'était la première entreprise cotée en bourse à avoir justement défini ses objectifs en fonction de sa raison d'être, donc des objectifs concrets, la promotion de pratiques alimentaires durables, le souci de donner à chaque salarié la possibilité de peser sur les décisions de l'entreprise et le soutien à un modèle d'agriculture régénératrice, une alimentation durable, etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc, de ces engagements-là a découlé plein de campagnes de communication, des campagnes de communication qui d'ailleurs ont été rejointes par des marques ensuite comme Auchan, et voilà. Et donc ensuite, moi j'aimerais vous parler aussi d'un cas concret qui m'avait beaucoup marqué, qui est le cas de Guerlain. Donc Guerlain qui a toujours basé son storytelling sur son célèbre logo, donc l'abeille, et qui, elle, cette marque, à partir de donc, sa propre histoire, elle a défini des missions donc, liées aux abeilles, donc à la préservation des abeilles. Donc, les missions définies par Guerlain, qu'on peut retrouver sur leur site internet et, dont ils font, et avec lesquelles ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, c'est protéger la biodiversité, créer une plateforme dédiée avec des moyens de faire des dons sur leur site internet, et même un programme d'entrepreneuriat apicole en partenariat avec l'UNESCO. Pour les Pardon, je crois que Kenzo a fait la même chose avec les tigres. C'est-à-dire que vous savez, Kenzo, la marque a un logo de tigre assez récurrent et ils se sont justement engagés à la préservation des tigres, etc. C'est sûr que quand on cherche sa raison d'être, ça peut être facile de rebondir sur sa propre histoire, en fait. Et c'est ça qui est plutôt malin, au final. Lacoste, je ne sais pas. Ils sont engagés pour la construction des produits. Mais il y a moyen. On peut leur suggérer l'idée. Hein. En tout cas, le programme donc, d'action pour l'apiculture, un programme pour les femmes qui a été mis en place pour les femmes apicultrices par Guerlain, a été porté par beaucoup d'influenceuses, dont Angelina Jolie, du coup. Et en fait, cette campagne a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Et bon, bah, c'est super séduisant pour les jeunes et pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça résonne beaucoup avec les propositions de notre temps. Donc, c'est plutôt malin. Donc, vous l'avez compris, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment celles qui émergent sur le digital, arrivent à définir leur raison d'être facilement parce que les publics ont besoin d'avoir des éléments crédibles. Et pour les autres marques, même si elles n'ont pas vocation à sauver le monde, il est important pour nous aussi, citoyens, du coup, qu'elles s'interrogent sur leur utilité, sur leur raison d'être, afin de faire preuve de crédibilité. Voilà. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous, à la NetSquad, dans mon agence, on accompagne beaucoup d'entreprises du secteur privé aussi, dont McDonald's, dont Bell, Kiri, les fromages. Dans justement pour les aider à communiquer sur leurs engagements qui sont réels et sans être accusés de greenwashing. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Laura. On va peut-être passer à la question qui avait tout à l'heure. Si elle est toujours. Oui, en fait, parlez-vous. Concernant les communicants en général, est-ce que vous ne pensez pas que, enfin, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la façon dont vous avez défini les missions et le rôle du communicant avec ses vertus, son pouvoir même, et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui on s'arrête de la théorie dans le sens où on s'éloigne de plus en plus en fait, de ce rôle, de ces missions du communicant. Je pense paradoxalement que c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est à mon avis très importante, portée d'ailleurs par des gens qui sont relativement médiatiques. Hein, je pense notamment à Clément Viktorovitch qui parle beaucoup de prise de parole en public, de rhétorique, etc. Il y a une formation du grand public accélérée sur les enjeux de communication, sur les enjeux de prise de parole, de manière de faire, d'espace public. Et donc, il y a un peu le phénomène de la prise de conscience en fait de pratiques qui n'étaient clairement pas vertueuses en fait auparavant et en fait le secteur est en train de s'améliorer paradoxalement en fait donc ça c'est un premier point. Alors avec, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre hein, en fonction des secteurs, en plus ça peut être différent, parce que le deuxième point c'est justement que communicant
c'est encore un mot valise qui recouvre énormément, énormément en fait, de situations. Quelqu'un qui est qui travaille dans une bibliothèque et qui envoie une petite newsletter en fait, pour dire voici les derniers livres qui sont arrivés, il fait un travail qui, à mon avis, est très utile et qui organise des événements avec la maternelle, et c'est un communicant. En fait, un communicant. Un publicitaire, c'est un communicant. Un porte-parole d'une ONG, c'est un communicant. Donc, en fait, c'est déjà, il y a le deuxième point, c'est la variété des métiers. Et troisième point, il y a quand même une réalité, mais c'est un peu ce que disait Laura, justement, c'est que le communicant, malgré tout, il reste un intermédiaire. Il ne peut rien faire, enfin, donc il peut améliorer ses méthodes à lui-même, mais il ne peut rien faire si derrière, en fait, il n'y a pas une stratégie réelle de la part de l'organisme, qu'il soit public ou privé, pour améliorer les choses. La seule chose qu'il peut faire, c'est choisir de ne pas travailler avec la personne. Mais c'est son, sa seule marge de manœuvre. C'est-à-dire que pour une marque, par exemple, ses capacités entre guillemets des groupes sont limitées, et que si la marque n'a pas d'engagement réel, elle va pas pouvoir, le communicant ne va pas pouvoir les inventer. Ah, c'est-à-dire que non, il y en aura toujours qui le feront. Hein, et après, mais en fait, je pense que ça se retournera contre eux en fait, à long terme. Hein, c'est-à-dire que justement parce que les gens prennent de plus en plus conscience du fait qu'on ne peut pas tout dire n'importe comment. Et le troisième point, j'allais dire, en fait, le communicant ne peut rien faire. Il peut s'améliorer lui-même, il ne peut rien faire. S'il n'y a pas une stratégie réelle sur laquelle ça s'appuyer derrière, c'est ça que j'appelais la sincérité, en fait, l'adéquation entre ce qu'il dit et ce que fait l'organisme qu'il défend. Et il ne peut rien faire, je pense, aussi sans la régulation. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup d'appels à l'autoresponsabilisation du secteur, etc. Mais si en fait il n'y a pas de régulation par le législateur en fait des pratiques, bah, en fait il y aura toujours des gens qui vont justement en profiter pour aller dans les brèches, enfin qui sont même pas des brèches vu qu'en fait il n'y a même pas de mur élevé. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être passer la parole à Francisco, puisque je crois que votre sujet concerne les logiques RSE et donc découle des thèmes qu'on a déjà évoqués. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Comme Francisco, c'est à vous. Merci. Du coup, en fait, ce qui est intéressant de ce qu'on parle depuis ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui regroupent un peu les propos que je vais aborder. Je vais juste prendre un angle un peu différent. Je vais être beaucoup plus pragmatique. Ça va être plus être un retour d'expérience sur ces 7 années de carrière que j'ai eues, que ce soit en agence ici en France ou au Canada, et également ici récemment au sein de mon employeur qui est un annonceur dans le secteur banque et assurance. Juste pour redéfinir un peu le cadre, donc quand on parle de RSE, on en parle depuis ce matin, on parle de la responsabilité sociétale pour l'entreprise. Et en fait, il faut savoir que pour une entreprise, il y a justement un cadre légal par rapport à ça, sur la manière de communiquer et sur ce qu'une entreprise doit délivrer. C'est-à-dire que très schématiquement, il y a 3-4 grands renforts, c'est une liste de méthodiques, mais il y a le rapport RSE, rapport de vigilance, rapport climat. Il y en a d'autres, mais voilà, ce sont les principaux. Et généralement, ça émane en grande partie de la France, et puis l'Europe aussi s'approprie un peu et demande la même chose aux entreprises. Donc, il y a beaucoup de défauts en France, mais par contre, celui-là, on ne l'a pas, c'est le fait de quand même cadrer les choses. Et également, sur les propos que je vais discuter après avec vous, c'est recentrer un peu sur la communication, le rôle du communicant, d'un point de vue interne et également d'un point de vue externe, parce que les deux sont indissociables. Donc là, on vient de voir le cadre, on a défini les éléments à mettre en place chaque année, à mettre en avant, à publier, c'est l'idéal, on n'a pas le choix. Maintenant, je vais un peu vous parler de en fait, quels sont les grands principes auxquels j'ai été confronté et que j'ai pu retenir. Alors, ce n'est pas une idée, c'est pas de faire un livre ou une fiche pratique, c'est de donner des clés qui permettent la discussion et aussi des clés si demain vous êtes dans le cadre, qui dire OK, je pense à ça, ça peut m'aider. Le premier élément, et c'est Florian qui l'a dit, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a rien en matière de RSE, en fait, on n'est pas des magiciens. On ne peut pas créer. À part mentir, on n'a pas d'autonomie. Ça, c'est un premier point. Donc, ça doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise et ça démarre par les membres du COMEX, par la stratégie mise en place. Généralement, c'est une stratégie à horizon 5 ans. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça découle sur le communicant et sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Le deuxième point, pour revenir à la partie interne et externe pour le communicant, c'est le fait de fédérer. Je m'explique. Si déjà on a du mal à embarquer ses propres collègues, ses propres collaborateurs, en fait, à l'externe, c'est juste impossible. Ce n'est pas galérer, mais on va avoir une vraie limite. Donc, c'est important de fédérer. Et en même temps, ça permet autre chose. Le fait de fédérer d'abord en interne, c'est d'avoir les premiers retours et de pouvoir ajuster le tir aussi. Parce qu'il arrive à un moment qu'en théorie, c'est bien, mais en pratique, ça ressemble à rien. Donc, c'est important d'ajuster, de prendre les retours, les premiers retours en interne. Et il y en a qui ne se privent pas, pour vous le dire, mais c'est super intéressant. La troisième chose, c'est qu'une entreprise, en fait,
elle ne peut pas parler de RSE et sortir son chapeau, un petit lapin magique de temps en temps, moi j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Donc, ça, c'est impossible. Ça doit être en fil rouge, en fait, en continu. Alors, c'est pas pour. Il ne faut pas faire depuis toutes les deux minutes, c'est pas ça la question. Mais n'empêche, régulièrement, il faut le faire. Il faut rappeler que l'entreprise est engagée. Parce que le jour où vous prenez la parole sur un sujet, vous n'avez aucune légitimité. Je répète, aucune légitimité. Parce que le fait de prendre la parole assez régulièrement vous amène cette légitimité. L'autre élément aussi, c'est que la communication, ça va dans deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste top-down, c'est-à-dire que vous balancez la faute et puis c'est tout, vous arrêtez là. Sinon, ça n'a pas de sens. Et on en revient à ce que disait, je ne sais plus si c'était Laura ou Laurent, ou Florian, pardon, sur le consommateur qui a un rôle maintenant et qui devient un consomme-acteur. Je suis désolé, je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qui résonne le mieux. Et c'est vrai qu'il a un grand rôle. Si on prend, par exemple, une marque comme Cécile Patron, qui vend des briques de lait, en fait, c'est le consommateur qui définit le prix de sa brique de lait. Donc là, plus grand que ça, perso, je n'en vois pas. Donc c'est important aussi d'écouter les retours. Et notamment, moi, où je travaille, mon cœur de métier, c'est les réseaux sociaux. Si vous avez loupé votre cible, les taquets, vous les prenez. Donc autant se dire qu'il faut quand même être créatif, hein, mais surtout, il faut être à l'écoute et ajuster le tir et aussi expliquer. Il y a un travail de pédagogie derrière. Et ensuite, sur ces grands principes, ces grandes leçons que j'ai pu en tirer, c'est le fait de rester authentique, d'avoir de l'authenticité dans ce qu'on dit. Je m'explique, Nike, c'est pas Adidas, Adidas, c'est pas Ricky, Ricky, c'est pas McDo, Danone, c'est pas Nestlé, bref, mieux que savoir des autres. Chacun, chaque marque a un style, chaque marque a un voice, chaque marque a une manière de communiquer, et c'est important de la respecter. En fait, à partir du moment où vous ne la respectez pas, vous vous reniez. Alors, si déjà vous avez peu de preuves et en plus vous vous reniez, sincèrement, vous allez sortir taquer, le retour de bâton va être horrible. Et puis, il y avait un autre terme aussi qui me semblait important, et ça, c'était Delphine Pinel, je pense que vous devez la connaître, au sein de ce master, qui le disait tout le temps quand je faisais mon master quelques années ici. Et je vous avoue qu'à l'époque, dans ma tête, ça n'avait pas trop de sens. Je disais, OK, bon, elle me dit ça, mais je ne vois pas ce que c'est. C'est le terme local, c'est-à-dire qu'il faut penser global, mais également local. Il faut adapter sa communication. Dans une des interventions de ce matin, on parlait notamment en Outre-mer, il y avait une communication qui avait été ratée. Là, c'est typiquement le cas de ce qu'il ne faut pas faire. Et si je prends le cas de mon entreprise Allianz, donc Allianz a des agences en Outre-mer. En fait, si vous n'adaptez pas votre communication ou à l'inverse, l'Allemagne, parce que ça ne vaut pas le nom, qui nous donne une communication qu'on doit appliquer sans réflexion ici en France, on va se louper, on va prendre ses attaques. Donc il faut adapter ceci en pensant qu'on travaille toujours sur l'image de marque au global. Ça fait partie, pardon, de la logique balistique que nous expliquait Florian. Exactement, exactement. Après, il y a une différence, dans les réseaux sociaux, tu as cette mesure balistique qui peut encore aller plus loin. Et tu as le ciblage derrière. Comme vraiment une communication de prix, c'est quand même un peu plus restreint. Mais c'est sûr que c'est important d'adapter à sa cible. On ne va pas se le cacher. Donc ça, c'est un peu les 5-6 grands principes que j'ai pu tirer de ces 7 années d'expérience. Mais n'empêche qu'autour de ça, il y a plusieurs éléments qui gravitent. Le premier, c'est Laura qui en a parlé assez longuement, c'est le story proving. En fait, on n'arrive à rien si on prouve. La question, c'est chaque fois, OK, tu dis que ton entreprise soutient l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'elle fait? OK, tu dis que ton entreprise est pour la RSE, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? OK, tu me dis que ton entreprise est pour l'inclusion, OK, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis venu comme ça pendant les autres. Et en fait, c'est regarder dans les 17 critères, c'est de savoir que pour la RSE, il y a 17 critères qui sont définis et ils sont vraiment, vous les trouvez sur le site de la semaine du développement durable. Et ces 17 critères permettent quand même de définir toutes les actions qui sont mises en place dans l'entreprise. Je prends le cas concret, l'entreprise à laquelle je suis, pour l'Ukraine, elle a dit à Sofia, OK, c'était une première étape, c'est bien de le dire, ça a affirmé publiquement, d'accord. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Là, du coup, ils ont mis en place, ils ont fait des dons, il y a une campagne aussi d'abondement sur les dons qui est fait par les collaborateurs, etc. On arrivait à un peu plus de 12 millions d'euros donnés à l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi également qu'est-ce qu'on fait en interne. Je m'explique, si vous dites je suis pour le bien-être des collaborateurs, mais derrière, on met une grosse pression pour avoir un travail le lendemain à 8 heures du matin, en fait, concrètement, vous n'avez rien fait. Donc, c'est beau de le dire, mais désolé pour le terme, le bullshit, c'est fini maintenant. Donc, il faut vraiment le prouver. Ça, c'est le deuxième point sur ce qui gravite sur les grands, autour des grands principes. Ensuite, il y a le fait de storytelling. Parce que c'est bien de dire quelque chose, mais en fait, si vous n'avez pas le format, notamment sur les réseaux sociaux, et principalement sur les réseaux sociaux, vous êtes peu audible, vous êtes peu remarqué. Vous allez parler, mais personne ne va vous voir. En fait, ça va pas être entendu. Donc, il faut vraiment storyteller. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être une simple vidéo de 30 secondes à la rue pour la pandémie. Ça peut être une interview. Ça peut être également du public rédac, même si on en fait de moins en moins, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être une réponse sur les réseaux sociaux. Ça peut être des simples citations. Bref, il y a une multitude de formats
qui permet aujourd'hui de montrer ce qu'on fait de manière totalement différente, avec le fond du message reste le même, par contre la forme qui est différente, et ça permet de toucher un public totalement différent. On ne s'adresse pas dans l'arcus de l'assurance, comme on s'adresse sur Combini ou quand on fait un partenariat avec un influenceur. Et là aussi, la notion d'influenceur est importante, puisque ce sont des porte-parole, alors encore faut-il qu'ils soient en accord avec la marque. C'est un autre débat, mais voilà, c'est important quand même de savoir aussi qu'il y a cette manière aussi d'aborder un sujet. Ensuite, il me reste deux éléments sur ce qui gravite autour des grands principes, c'est le fait d'incarner. Aujourd'hui, on a tendance, et un peu parce que moi je suis belge, mais je le vois surtout en France, à se référer à une personne pour une marque ou pour un parti politique. Peu importe le sujet, on se réfère souvent à une personne et une entité, enfin, une entité représentée par une personne. Et c'est vrai que c'est important pour une entreprise d'avoir soit des références sur un sujet, dont je crois le cas de l'inclusion ou l'égalité homme-femme, ou également sur une stratégie. Alors, quand vous avez une stratégie d'ampleur pour l'entreprise, ça peut être le président qui va prendre la parole. Mais n'empêche qu'en interne, il peut aussi avoir des référents qui vont transmettre le message. Et à l'externe, ça peut être aussi pareil avec des référents mobilité, des référents inclusion. Et donc, on s'en sert et on leur préconise des messages qu'ils peuvent faire passer, sachant qu'ils doivent garder une liberté de parole. Et surtout, on en revient toujours qu'ils doivent prouver ce qu'ils disent. Mais c'est important d'incarner cette entreprise et cette prise de parole. Et le dernier élément qui vient plutôt de mon expérience au Canada, c'est le test and learn. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas, on nous donne un budget, puis on nous donne X milliers d'euros pour faire une campagne, et là, on va me dire qu'on va mettre X milliers d'euros pour tester et voir si peut-être ça fonctionne. Alors en fait, ça peut paraître bête et de l'argent gaspillé, mais je vous assure que ça ne l'est pas du tout, parce que cette campagne qui peut-être n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, a permis derrière d'avoir une seconde campagne qui, pour le coup, a fait mouche et a touché la bonne cible avec le bon format et avec le bon message. Donc le test and learn, il ne faut pas en faire non plus, parce que de ce côté-là, on est en train d'être la plaque. Par contre, en revanche, c'est important de le faire de temps en temps et de prendre cette phase-là, une fois que le test and learn est fait, de prendre cette phase de recul pour analyser ce qui a été et aussi ce qui n'a pas été. Il faut être honnête avec ça même à ce moment-là. Et pour conclure, je dirais ceci, c'est qu'en fait, une entreprise ne porte pas le poids du monde sur elle, puisque fondamentalement, on ne va pas se cacher, c'est le business derrière. N'empêche, en matière de RSE, elle peut prendre sa part de responsabilité. Alors, ça varie selon les entreprises, ça prend plus, ça prend moins, mais n'empêche, chacune peut avoir une part de responsabilité en matière de RSE. Et à la question, est-ce que le communicant a un rôle moteur pour le changement? Ma réponse, c'est oui, mais j'ajoute le mais. Oui, mais à condition que toutes les parties prenantes jouent leur rôle. C'est-à-dire que le communicant, et Florent l'a très bien dit, le communicant ne peut rien faire tout seul. Donc, il a besoin en interne et en externe d'avoir la matière nécessaire. Après, à lui de la travailler, à lui de se débrouiller pour l'amener sur le devant de la scène avec le format adapté et sur le fond adapté. Mais n'empêche qu'il a quand même ce rôle-là parce qu'il est quand même l'élément fédérateur. C'est-à-dire, attends, moi, j'ai besoin de preuves. L'équipe RSE, par exemple, fournis-moi des preuves. Si le communicant ne me dit pas, écoute, bouge-toi là maintenant pour me les fournir parce que j'en ai besoin pour communiquer parce que là, qu'est-ce que l'asphyxie sur les réseaux sociaux, du coup, ça ne va peut-être pas bouger en interne. Donc, il a quand même ce rôle de changement. Et après, dans la manière aussi dont il aborde son métier, c'est sûr qu'il a un rôle de changement. Et là, en cette expérience, j'ai l'impression que quand même le rôle du communicant avait changé. On parlait de la politique tout à l'heure, c'est sûr que le rôle du communicant politique a changé, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et pour les entreprises aussi, le rôle du communicant a également changé et évolué. Et j'ai le sentiment qu'il va dans le bon sens et que ça ne va faire que s'améliorer. Je vous remercie. Peut-être sur Zoom. J'ai une question, pardon, pas d'essayer de rebondir sur vos deux interventions sur la question de. Vous avez beaucoup parlé de com externe, mais il y a aussi la com interne. Enfin, moi, j'ai fait des reportages, des choses, notamment avec la Banque Postale, suite à leurs annonces de neutralité carbone, etc., et à l'interview des collaborateurs, et on se rend compte qu'ils ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que la Banque Postale fait un assez gros travail de. Une question externe, ils essayent, bon, discuter d'un gros groupe. Et qu'en fait, en interne, les collaborateurs, tous des solutions, enfin, moi, j'étais en relation avec ce que j'ai dit, monsieur, la presse du climat, ils essayent de mettre en place des outils. Mais on voit bien comment est-ce que, face à des groupes, parce qu'il y a une très grande différence entre les petites entités, les groupes, quand même, de cette taille-là, avec des milliers de collaborateurs, les gens, ils sont habitués à faire quelque chose, voilà, et donc il y a un très gros enjeu, dans un sens, de faire, quels peuvent être du coup le rôle d'un collaborateur en termes de conseil ou même d'action pour aider ces groupes à bouger aussi en interne
Parce qu'en fait, si les collaborateurs ne sont pas convaincus de ce qui, de la politique à mener, bah, il ne sera pas, ça sera rien ou pas grand-chose. Je suis totalement d'accord avec vous. Après, je pense que ça va aussi à l'entreprise d'assurer cette notion et cette volonté de changement. C'est-à-dire que moi le premier, je suis pris dans mon travail et je n'ai pas toujours le temps de me préoccuper de comment améliorer le monde, très honnêtement. Moi, je suis au quotidien, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas que ça à penser. N'empêche que je peux prendre un moment de mon temps pour y arriver. Et ça, l'entreprise doit l'amener. Alors, comment elle peut l'amener? Il y a différentes manières. Il y a les éléments plutôt classiques qui sont un questionnaire, comment améliorer l'entreprise. C'est un peu bateau, mais ça peut exister. Il y a aussi une autre manière, ça c'est par exemple un cas concret chez Allianz, une fois par an, et après pour certaines personnes plusieurs fois par an, une fois par an, il y a une journée qui est dédiée au bien commun, c'est-à-dire on peut être dans une association et on a son salaire, etc., ça change tout. Et puis il y a par exemple un autre cas concret, en fait, il y a des personnes qui ont la possibilité, sur leurs deux, trois dernières années, deux ans si je ne me trompe pas, au lieu de travailler au sein de l'entreprise, elles vont travailler dans une association par rapport à leur domaine d'expertise. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis communicant, dans quelques années, je ne suis pas si vieux que ça, donc dans quelques années, quand je serai à la retraite, ou en pré-retraite, enfin, en fin de carrière plutôt, j'aurai la possibilité d'aller travailler, par exemple, chez Emmaüs pour aider à la communication. Et après, il y a des outils aussi en interne qui permettent de diffuser un maximum de messages. Mais c'est sûr que ces outils-là, il faut avoir le réflexe d'y aller, et ça passe par la pédagogie. On parle de la pédagogie sur les réseaux sociaux, d'expliquer, etc., de la vulgarisation, mais ça l'est tout autant en interne. Et je vais même compléter en disant que, avant d'en parler en interne, il faut toujours en parler en interne. Parce que quand on travaille dans une entreprise, on dit, mais en fait, j'ai appris tel et tel élément qui a été mis en place via les réseaux sociaux, bah, ça l'a fait mal. C'est comme si dans votre famille, vous apprenez la nouvelle par un ami, c'est un peu bizarre. D'abord, on en parle en famille, et puis après, on sort en externe sur le sujet. Si je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus, c'est aussi révélateur en fait, d'un problème souvent qui est qu'il faut questionner parfois la limite entre communication interne et externe. Et que beaucoup de contenu, en fait, beaucoup de pratiques, enfin, il y a une raison à faire de l'interne et de l'externe, et il y a des sujets qui peuvent être que interne et que externe. Mais beaucoup de contenu, en fait, je dirais presque la quasi-totalité, en fait, pourraient être les mêmes, en fait, quelle que soit la communication. Et il faut faire encore une fois attention, en fait, aux méthodes et sédimenter, en fait, et savoir un petit peu, parfois sortir, en fait, des habitudes pour certains formats, se dire, bon, ben, en fait, je peux le pousser auprès des autres, ou monter une structure qui parle à la fois à l'interne et à l'externe. Donc voilà, c'est juste ça. Ouais, et je vais, tu as totalement raison, je vais même plus loin terminer là-dessus. C'est-à-dire que quand je parlais de ce travail de pédagogie, il est également à faire sur le rôle purement du communicant en interne. Combien de fois j'ai. En fait, tu peux parler de quel sujet sur les réseaux sociaux? Ben non, en fait, si c'est intéressant pour l'interne, mais à l'externe, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc il y a ce travail également à faire, un peu à mentionner de pourquoi tu en parles, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que ça va apporter à la communication, qu'est-ce que ça va apporter à l'irréputation et la réputation globale de l'entreprise. Et après, on revient un peu aussi sur ce travail de format, c'est-à-dire que dans l'éventualité où on décide d'en parler en externe de ce sujet lié à la RSE, c'est comment on va le mettre en avant. Puisqu'on ne le met pas en avant en interne, comment on le met en avant en externe. Si je prends Madame Michu, c'est un exemple très bateau, qui en parle en interne, en externe, personne ne sait qui c'est. Donc, je ne vais pas prendre la même personne pour le faire. Je vais prendre une personne qui a une aura peut-être plus forte, qui va me permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, il faut quand même dissocier, même si beaucoup de sujets sont vont sur les deux plateformes, on va dire l'interne et l'externe, n'empêche qu'il faut quand même à un certain moment segmenter et faire des choix et avoir des parties plus fortes. Merci à tous pour votre participation. J'ai vu une question dans le chat qui concernait la communication pendant une crise sanitaire. Et je crois que c'est votre sujet, Vincent, donc je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors moi, contrairement à tous mes voisins, la communication, c'est pas vraiment le sujet que je maîtrise le mieux, malheureusement. D'abord, je travaille pas dans la communication, je suis chercheur en philosophie des sciences, donc mon objet de recherche, habituellement, c'est pas la com non plus, c'est pas les sciences de la com. Alors, je peux quand même justifier de ma présence ici, heureusement. C'est qu'en tant que philosophe des sciences, j'ai suivi la crise Covid, comme presque tout le monde, mais peut-être de manière un petit peu plus resserrée, puis avec ce regard épistémologique. Et puis que, en fait, c'est difficile de s'intéresser à cette crise sans s'intéresser à la communication qui a été présente de bout en bout.
Alors, elle a été présente de plein de manières. C'est large, la com. C'est des acteurs très différents. C'est de la communication faite par des scientifiques, faite par des institutions, faite par des politiques, adressée pour les scientifiques à des pairs ou à des politiques qui doivent prendre des décisions à partir de ces avis rendus, par exemple, ou du grand public, et tout ça qui peut avoir pour objectif d'informer ou de, par exemple, changer les comportements. Donc, c'est un sujet très large et ça m'oblige à faire un choix. Ça tombe bien, on avait travaillé sur quelque chose d'assez précis avec un collègue à moi. Alors, ça avait abouti à une tribune dans Libé l'an dernier. Donc, je reprends un peu ce texte qu'on avait écrit ensemble avec Paul Louvaille-Dubuc. Et donc, je vais me concentrer sur cette situation précise qui touche à la vaccination. Alors, il y a un propos général qui va se dégager de ça. Si j'inscris ça dans le titre de la table ronde, la communication pour le changement, alors ça va tempérer, disons, cette idée que la communication pourrait toujours être au cœur du changement, qu'il faudrait toujours passer par la communication. Ben non, la communication peut éprouver certaines limites pour changer des comportements. D'où le titre de mon intervention, donc le pouvoir de l'exemplarité en temps de crise sanitaire. Donc, on revient en bobine il y a un an et demi à peu près, quand on apprend qu'on dispose de vaccins apparemment sûrs et efficaces. Alors, on a ces premiers chiffres qui arrivent, hein, de 90% et quelques d'efficacité pour les meilleurs d'entre eux, Pfizer, Moderna. Donc ça, c'est pour l'efficacité. La sûreté, alors c'est un argument un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a toujours cette grande question du recul. On n'a pas le recul, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, dans 10 ans? Donc l'argument, il se joue là-dessus plutôt en deux temps. C'est premièrement, on n'a pas eu de problème dans les semaines, puis maintenant les mois qui suivent l'injection. Deuxième moment de l'argument, c'est jusqu'ici dans l'histoire de la vaccination, quand il y a eu des problèmes, c'était toujours dans les premières semaines après l'injection. Donc, normalement, on est bon, on n'est pas sûr à 100%, mais après, c'est à mettre en rapport avec la dangerosité de la maladie. Voilà, donc, tout ça pour arriver à l'idée que d'un point de vue politique, donc pour les pouvoirs publics, il est apparu très avantageux d'être capable de convaincre un maximum de personnes à se faire vacciner. Et donc, c'est posé la question de comment on allait communiquer à ce sujet. Alors, on était, me semble-t-il, dans la perspective des pouvoirs publics, sur un cas assez clair de communiquer pour convaincre. Hein, ce n'est pas informer, d'accord, mais l'idée, c'était quand même que les gens agissent, qu'ils prennent la décision d'aller se faire vacciner. Et donc, c'est un enjeu qui n'est pas seulement théorique. Il ne s'agissait pas seulement que les gens soient persuadés que les vaccins sont vraiment de belles réussites technoscientifiques, mais qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils prennent le rendez-vous et puis qu'ils capable de se faire dans cet acte qui touche quand même à son propre corps. Alors, maintenant, il faut mentionner le terrain sur lequel on s'avançait à l'époque, qui en France était celui d'une hésitation vaccinale quand même assez remarquable, qui s'était développée, alors il y a beaucoup de travaux en sociologie des sciences à ce sujet, ça s'était développé au courant des années 2000, donc sur les 10-15 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle, à l'espace éthique, on avait assez rapidement monté un groupe de travail sur les questions liées à la vaccination, en mobilisant pas mal d'acteurs différents, des universitaires, des soignants, des directeurs d'établissements, des représentants de patients aussi, pour discuter de tout ça, pour essayer d'avoir une vision, de dégager une vision de ce phénomène, de son évolution, des leviers possibles pour bouger ça. En tout cas, on anticipait que ça allait être quand même un sacré obstacle à une campagne de vaccination réussie, le fait que je ne connais pas très, très bien les chiffres, et puis ils ont leurs limites aussi, mais si on a 40% d'hésitants, c'est un vrai problème pour une politique de santé publique. Alors, deux composantes pouvaient paraître essentielles pour arriver à l'objectif d'une campagne de vaccination réussie. La première, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment l'information. L'information factuelle sur les vaccins, et on avait de la chance, elle était excellente, cette information. On n'avait que des bonnes nouvelles. En quelques mois, on a réussi à avoir des vaccins qui marchent incroyablement bien,
au moins enfin, voilà, sur les formes graves de la maladie. Au début, on ne comprenait pas très bien, oui, mais est-ce qu'on est quand même infecté ou pas, oui, on peut être infecté, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ça marchait quand même bien, c'était des bonnes nouvelles. La sûreté, j'en ai parlé aussi. Bon, bien sûr, on ne pouvait pas garantir absolument sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans l'innocuité de ces produits, mais bon, les données qu'on avait, on ne pouvait pas avoir des meilleures données, en tout cas à ce moment-là, quelques mois après l'apparition de la pandémie. Donc voilà, ces informations factuelles, on en disposait et c'était évidemment un premier niveau, un premier levier sur lequel il fallait absolument jouer et communiquer. Alors, sur cette première composante, on peut imaginer qu'elle a déjà servi à ce que une bonne proportion de gens n'hésitent pas à se faire vacciner. C'est-à-dire que cette première couche, hein, qui est vraiment purement informative, on va communiquer juste, voilà, il y a des vaccins qui existent, ils sont produits, ils sont disponibles, ils marchent bien, ils sont sûrs. Ça a suffi à une bonne proportion des gens à accomplir ce geste d'aller se faire vacciner. Mais pour les autres, pour ceux quand même assez nombreux qui partaient d'une attitude de défiance, c'était un peu différent. Il y avait en plus de l'information à délivrer, justement donc une défiance, c'est-à-dire un déficit de confiance, et donc quelque chose à rebâtir. Cette confiance à la fois éprouvée par ce terrain-là d'hésitation vaccinale, donc installée sur du temps assez long, et puis on en a reparlé rapidement tout à l'heure dans l'intervention, dans l'événement qui précédait notre table ronde, cette communication assez erratique du gouvernement sur les masques, enfin, on en a énormément parlé, c'est peut-être pas la peine de rajouter, mais c'est vrai que ça n'avait pas particulièrement facilité la tâche pour instaurer un vrai climat de confiance. Voilà, donc avec cette préoccupation autour de la confiance, si on fait état de certaines analyses récentes sur la communication scientifique, on apprend par exemple que le fait de communiquer sur les risques, sur les incertitudes, on pourrait dire généralement sur les aspects négatifs de la science, bah, ça ne diminue pas forcément la confiance en les sciences, et plutôt au contraire. Ça contribue plutôt à augmenter la confiance. Et en effet, quand on a appris, pour rester concret, que l'AstraZeneca provoquait des cas assez rares, mais graves, de thrombose, le fait que l'information circule, le fait qu'elle soit reprise et non pas étouffée, le fait que des mesures de précaution soient adoptées, ont pu contribuer à une confiance accrue envers, alors bien sûr pas le vaccin AstraZeneca, mais le système de santé dans son ensemble. Voilà. Alors, ça c'est très bien, donc c'est d'un côté cet aspect transparence, on ne va pas hésiter à communiquer sur les choses qui ne marchent pas ou qui sont dangereuses pour recréer de la confiance. Alors la transparence, on en a aussi parlé tout à l'heure. Et justement, d'un autre côté, il faut aussi rappeler que si on peut effectivement penser la transparence comme allant de pair avec la confiance, hein, on devient plus confiant dans la mesure où on a en face de nous une personne ou une institution ou un système transparent, et bien, il y a aussi une espèce d'opposition entre les deux termes, entre transparence et confiance. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire faire confiance ? Si on se pose vraiment la question, ben justement, c'est qu'on est prêt à s'en remettre à la personne ou à l'institution ou au système, encore une fois, sans entrer dans un régime de justification. Donc, quand je dis à quelqu'un « non, non, je te fais confiance », c'est précisément pour l'interrompre dans la justification qu'il s'apprête à m'offrir. Si je ne lui faisais pas confiance, alors j'aurais besoin d'autre chose que son conseil ou son injonction à faire ceci ou cela. Voilà. Donc, à ce point de mon récit ou de mon analyse, hein, si on est généreux, j'en suis adressé le constat suivant. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas en situation de confiance, donc qui n'étaient pas prêtes à recevoir l'information, aussi bonne et rassurante soit-elle. Il leur manquait un élément fondamental pour cette réception, un élément particulièrement difficile à retrouver, d'autant
on a souvent tendance à aller le chercher dans le même registre, celui de l'information, celui de la communication, mais c'est précisément celui sur lequel la personne défiante n'est déjà pas réceptive. Donc, à l'information sur la sûreté et l'efficacité des vaccins, on aurait pu surajouter une couche d'information, je dirais, méta, hein, pour essayer de rassurer sur les bonnes intentions des laboratoires pharmaceutiques, sur la fiabilité des études, des chiffres, etc. Mais évidemment, on ne pouvait pas espérer gagner grand-chose puisque, en quelque sorte, la personne n'est tout simplement plus ouverte à accepter de l'information. Donc ça, c'était à l'époque, en début de campagne vaccinale, il y a environ un an, début 2021. Un constat plutôt alarmant, finalement, mais dont une bonne partie de la résolution a été, à mon sens, apportée très simplement, non pas donc, par la communication, mais par un mouvement d'entraînement, en tout cas que j'explique comme ça, qu'on expliquait comme ça avec Paul-Lou Valdubuc. Tout simplement qu'en lançant la campagne vaccinale, sans trop savoir ce que ça allait donner, mais on y va, donc sans trop savoir aussi quelle proportion de gens accepteraient ou seraient même contents de se faire vacciner avec cette première couche d'informations présente et très positive, on a enclenché un mouvement. Des gens se sont effectivement fait vacciner, assez rapidement des millions, de plus en plus nombreux, et puis d'âge et de profils de plus en plus divers. Hein. Au début, c'était que des personnes âgées, puis avec le facteur de risque, et puis après, ça s'est ouvert. Donc, ça aboutit à une nouvelle donne, à savoir que les hésitants se sont de fait trouvés baignés au milieu d'exemples toujours plus nombreux de vaccinés qui allaient bien. Et rapidement, chacun connaissait une personne, puis plusieurs personnes, puis de très nombreuses personnes vaccinées, et à l'angoisse de l'inconnu, et puis de ces chiffres, de ces résultats abstraits, voilà, 92% d'efficacité, au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? On a substitué des présences et des témoignages réels de visages connus. Et en y réfléchissant, ce résultat positif, hein, ce levier-là, cet effet qui s'est enclenché de cette manière, il tient d'une évidence. Hein, je l'ai dit, pour certaines personnes, la disposition à la vaccination ne relevait pas que de questions d'information. Ce n'était pas réceptif. Donc, l'information sur les vaccins ne jouait sans doute qu'un rôle de second plan pour lever l'hésitation vaccinale. En réalité, pour être attentif à cette information, pour la recevoir, il fallait déjà être dans la bonne disposition, être déjà rassuré, être déjà en confiance. Et on peut donc supposer que la confiance a pu être regagnée par la confrontation à la vaccination en acte et en présence autour de soi. Et c'est cette expérience-là qui me paraît être le véritable déclencheur d'un retournement quant à la perception des vaccins, hein, alors qu'au début, ils étaient quand même associés à des questions angoissantes. Est-ce que le Pfizer, le Moderna, ça revient à s'injecter des OGM ? Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas un intérêt trop grand dans l'affaire, pour être honnête ? Est-ce que ce n'est pas allé trop vite, tout ça ? Ces doutes ont été en grande partie levés par l'évidence du réel. Les millions de personnes vaccinées vont bien, parmi elles figurent des proches qui sont rassurés et rassurants. Et c'est ça qui recrée de la confiance et la possibilité d'être à nouveau à l'écoute, cette fois, d'une information, de la communication. Alors bien sûr, je ne veux pas faire de cette analyse un récit qui explique les comportements de chacun. Encore une fois, certains d'entre nous étaient ravis de se faire vacciner dès qu'ils ont pris connaissance des résultats des études. D'autres étaient rassurés de compléter ces informations avec la connaissance de nombreuses personnes qui s'étaient faites vacciner et qui allaient bien. D'autres encore contestaient la véracité de ces chiffres, mais ont été rassurés sur la durée par cette expérience du réel au point de pouvoir se faire vacciner eux-mêmes. Puis d'autres n'ont jamais changé de position. Donc ça n'a pas marché de cette manière-là pour tout le monde, loin de là. Mais je constate aussi que les zones dans lesquelles la défiance demeure élevée sont précisément celles où elle était à un niveau tel au départ
que la masse critique de personnes prêtes à se faire vacciner n'a jamais été suffisante pour faire levier. Hein, il en reste hein, des zones comme ça, il y en a en Ariège, enfin, dans les parties plus, pas seulement plus reculées, mais avec, avec aussi une ambiance traditionnellement assez, assez différente, plus contestataire, etc. Voilà, en tout cas, donc c'était cette idée que je voulais présenter ici pour sortir d'une défiance qui ne permet pas d'accepter une information, qui ne permet plus de recevoir en fait un tel contenu. C'est pas par davantage d'informations qu'il faut passer. La confiance doit se rebâtir autrement, sur un terrain peut-être moins abstrait, peut-être moins rationnel, plus émotionnel, mais en tout cas en se déplaçant par rapport à l'endroit où ça coince, qui est précisément la réception et l'acceptation d'informations. Je vous remercie. Merci Vincent. On me dit dans l'oreillette que néanmoins le temps presse, et donc nous n'avons le temps que pour une seule question. Je vais poser peut-être la question si on n'a pas d'autres. J'ai été très sensible à ce que tu as dit en disant qu'il fallait pouvoir être à l'écoute de l'information. Et à la fois l'information, comme l'a dit Florian, et puis Laura, et Francesco, c'est un rôle de design, si vous voulez dire comme ça, de l'espace public. Autant l'information, elle arrive aussi dans un espace public constitué. Avec un système médiatique, avec des autorités publiques en lesquelles on a moins confiance, avec une communication interpersonnelle aussi, un espace entre différentes opinions, etc. Et que cette communication, elle doit pouvoir être entendue. Et que parfois, on arrive dans un milieu où la communication ne peut pas être entendue. Et finalement, l'exemplarité, j'ai l'impression, et c'est ça ma question, est-ce que finalement elle n'est pas, est-ce qu'elle est, dans ton idée, est-ce qu'elle est première ou seconde? Parce que j'ai l'impression que la communication peut constituer un premier moteur pour, on va dire, les premiers adoptants, quoi, si on prend le terme américain, early adopters, donc les premières personnes qui vont faire appel, enfin, qui vont aller dans des centres de vaccination et se faire vacciner, vont constituer les exemples. Et finalement, ces personnes-là, il faut les d'abord informer. Et ce que j'identifie, par exemple, tu cites l'exemple de l'Ariège que je ne connais pas du tout, mais je me dis que peut-être, il y a effectivement cette dimension-là, une communication qui n'est pas entendue, même par des personnes qui seraient susceptibles d'être ces adopteurs, ces nouveaux adopteurs d'un dispositif. Quelque part, il faut un peu des relais, en fait. Et ça manque de relais, c'est-à-dire en termes de communication, ou enfin, quel est le... Encore une fois, je ne suis pas assez à l'aise en communication pour répondre de manière générale à cette question, donc je peux répondre sur cette situation-là précisément. Ouais, enfin, en tout cas, ce que je décris, c'est effectivement ce mécanisme à double action, si je puis dire, où dans un premier temps, c'est comme ça que ça se passe. Premier relais qui sont les personnes susceptibles d'entendre cette information, quand même encore une fois, exceptionnellement positive. Et puis, dans un deuxième temps, pour répondre à ta question, ça vient, en tout cas temporellement, c'est second. Sur le plan des proportions, par exemple, j'en sais rien. Je sais pas quelle proportion il a fallu de primo-adoptants pour pouvoir faire basculer quelle proportion de second-adoptants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a un petit livre qui s'appelle « Le point de bascule » de Malcolm Gladwell qui parle de ça. Mm-hmm. Qui est très intéressant. Je vous recommande comme lecture. Après, on peut réfléchir à partir de ce livre, contester, etc. Mais c'est intéressant, justement, dans cette démarche-là, il réfléchit à partir de quel moment est-ce que se produit le point de bascule dans une communication où elle est minoritaire et où le point de vue devient majoritaire, où l'adoption devient majoritaire. Mais je pense que c'est ultra variable d'une situation à l'autre. Ouais. Hein. Je suis sûr que si on disposait de chiffres plus précis sur cette situation-là, mettons que... après 40% de cette première vague qui va se faire vacciner, voilà, ça suffit à faire basculer 45%. Je ne sais pas, sur des idées politiques, sur, euh,
sur l'aménagement territorial, ce serait probablement des tout autres chiffres. Peut-être que des fois, ça ne marcherait pas, d'ailleurs, la bascule. Voilà. Enfin, je ne vais pas me risquer à généraliser trop loin les conclusions, mais si on veut quand même tirer quelque chose d'un petit peu plus général, ce serait quand même ce principe que des fois, la communication bute quelque chose qui est trop faible hein, comme résultat au vu des objectifs fixés et que là, bah, faut bien trouver autre chose. Juste pour ajouter, préciser que effectivement la communication, moi je crois qu'à un moment donné, moi c'est parti d'une région où le taux de vaccination est le plus bas de France. C'est laquelle, pardon ? C'est en Guadeloupe. Ah oui. Et en fait, je pense qu'on parlait d'information, de communication, d'établir la confiance justement dans cette. À travers cette communication, il y a un moment où il y a une part réductive, en fait, comme vous disiez, ça bute, c'est, je pense qu'on est dans un domaine un peu de l'irrationnel, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens sont dans leur croyance, et là, on ne peut rien, quoi. Et tu as toute la confiance, il y a des gens, ils avaient de la preuve vraiment que ça fonctionnait pour leurs proches, parce que vous prenez l'exemple, les personnes qui se sont vaccinées, ensuite, c'est un peu, entre guillemets, contagieux. On a vu que ça s'est limité. Même face à ça, où les gens avaient des preuves concrètes vivantes, ils refusaient de franchir ce pas et d'être réceptifs à toute forme de communication par la preuve, par le réel. Il y a vraiment un moment donné où on est dans le rationnel et que voilà, ça relève vraiment des croyances des gens. Et peut-être qu'on l'a dit tout à l'heure, au début des premières interventions, il y a des parts peut-être culturelles, historiques aussi qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, alors bien sûr, on pourrait balayer tout ça, mais c'est pareil avec l'hésitation vaccinale en France métropolitaine, elle était élevée hein, au départ, et elle relève en un sens d'une irrationalité par rapport à tous les éléments scientifiques qu'on connaît, les maladies éradiquées, enfin à tout ce que... tout ce qu'a apporté la vaccination depuis plusieurs siècles maintenant. Mais je pense que ça vaut la peine quand même de s'interroger sur, effectivement, localement, d'où viennent ces blocages. Enfin, certes, c'est une irrationalité, mais c'est aussi un genre de rationalité. Enfin, ça répond aussi à des événements, un contexte qui est très différent en Ariège et en Guadeloupe, très certainement. Mais c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Mais c'est pas du tout mon travail. Moi, simplement, donc, ce que je voulais dire, je suis médecin, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans le quotidien médecin, puis je suis un petit peu médecin hospitalier. C'est vrai que donc, le communicant, le médecin, il est pour l'intérêt général, on l'a bien vu. Malgré tout, à chaque fois, on passe dans sa spécialité, dans sa spécificité. Là, par exemple, on est en train de parler de vaccination Russie. Elle est Russie, bah, formidable, bon, bah, c'est incontestable un petit peu. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. Ceci dit, quel est le problème global? Le problème global, c'est le problème de la santé, c'est le problème qu'effectivement, dans certains EHPAD, il y a 50% de mortalité, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de médecin, hein, il n'y a pas d'antibiotiques. Donc finalement, aujourd'hui, on ne peut pas prendre rendez-vous facilement pour n'importe quel, que ce soit jeune, que ce soit âgé, et pas prendre rendez-vous. Et finalement, lui aussi, on va voir ce qui se passe en EHPAD. Finalement, il faut ouvrir, si vraiment vous voulez travailler, nous aussi, médecins, et puis le gouvernement, sans doute, et les élus aussi, peuvent ouvrir leurs œillères, comme d'ailleurs les contestataires. Moi, je suis un contestataire, pas de la vaccination, puisque j'ai vu des gens mourir, hein, que ça, 50% des gens pour le tétanos, par exemple. Et puis moi-même, j'ai été obligé de faire les vaccinations, parce que je ne pouvais pas travailler, sinon hein, je travaille encore. Et donc, le directeur nous a tous dit, est-ce que vous êtes vacciné? Si vous ne vaccinez pas, hop. Voilà. Bon, donc, ça serait... donc finalement, tout de même, moi je me pose des questions, est-ce qu'on parle des services médicaux rendus, est-ce qu'on parle du service rendu par le communicant dans la globalité, par exemple, alors Danone, Yaourt, machin, parce que vous êtes aussi en concurrence, moi aussi, dans l'industrie pharmaceutique, on était toujours en concurrence un petit peu, on regardait ce que faisait l'autre, et c'est vrai que le problème, c'est d'élargir finalement chacun vos expériences très riches et nous aussi, en tant que personnes qui vivons ces obligations diverses, ces non-obligations d'ailleurs, dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien dans la globalité de notre vie affective, professionnelle, machin, mais c'est évidemment très, très dur. Mais c'est vrai qu'il faut éviter cette,
à lui dire, bah, sinon des prototypes, des pauvres, des pauvres, des prototypes. Quel était le service médical rendu? Peut-être, je l'espère, pour les formes graves, mais j'en doute. Mais voilà, je m'arrête. Si vous avez compris, je suis un peu contestataire. Alors, par contre, je suis vraiment navré, mais il va falloir qu'on y aille. Mais voilà, on se retrouve à 14h, même salle, pour d'autres intervenants. Et merci en tout cas à tous d'être intervenus.